for disaster. A reckoning, you wonder how I got this way. You think I'm someone to be saved, someone to clean up and tame. Oh, some things never change, never change. You think I would look pretty on your arm once you cover up my bruises and battle scars, but it always ends the same. Donc on doit s'échapper de la maison, c'est ça? Mais comment tu peux faire? Elle est fermée à clé, wesh. Donc oui, nouvelle nouveauté dans le jeu, il y a Sandrina en plus. Donc heureusement qu'on a fait Sandrina X pour comprendre son gameplay, entre guillemets. Et j'espère qu'elle sera pas trop violente, le jeu, hein, quand on va jouer. Ok, c'est la maison du diable, c'est bon, c'est Conjuring 4, c'est bon la suite. Hop, vas-y, next. Welcome. Oh la vache, on dirait Slender, lui. Elle tire dessus, lui. Carrément. Sans aucune hésitation, il me tire dessus, ce fils de pute. Il me tire dessus, ce fils de pute. Ouais, il me tire dessus. Oh le bâtard. Oh. Non, je veux pas jouer. Je confirme que... Je ne veux pas jouer avec un mec qui a un fusil dans les bras. Pourquoi vous m'enfermez? Je n'ai rien fait. Je n'ai rien à voir avec Granny. Avec Je suis censé faire quoi? J'étais censé faire quoi? Ils étaient là, mon octogoné, ces fils de pute là. Oh, j'étais censé faire quoi là? Hein? Salut. Oui. Ça va? Salut, Sandrina. J'ai rien demandé, moi. Je sais pas qui vous êtes. Pourquoi vous m'avez enfermé, fils de pute? Quoi? C'est pas GTA, mon gars. Mec, c'est pas GTA, fils de pute. La fucking chat. Si Granny rentre ou... Ça va? La bouche qui... Ah. Okay. Oh, j'ai vu un truc là ou c'est moi? Ah, on a vu que c'est l'autre côté, c'est ça? Il faut que j'aille directement. Enfin, je m'en doutais. Je m'en doutais que j'allais rencontrer. Les matchs sont en bas, les matchs sont en bas, les matchs sont en bas. Ok, les matchs sont en bas. Les éléments sont en bas, ok. Peut-être qu'on va faire notre premier mouvement. Notre premier move incroyable sur le jeu. En cherchant des allumettes, putain. Je sais pas où me cacher. Ouais. Pourquoi ça la penche? Oh! 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 Salut! Câlin? Familial? J'ai pas voulu mon câlin. Nouvelle fin, nouvelle... Quoi? Quoi? Ah! Non. 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 La violence. La violence du jeu.
Eh bien, bonjour à tous et à toutes, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, les amis. Pour ma part, je vais vraiment nickel chrome. Bienvenue les petits wolves pour un deuxième épisode et pour le grand retour des vidéos sur ma chaîne YouTube sur Granny 3, les amis. C'est parti, on va se chier dessus pour le retour des vidéos. En plus, on commence par un lourd vidéo, pour une lourde vidéo plutôt, sur Granny 3. Et bah écoutez, les amis, on va lancer le jeu directement, on perd pas de temps, c'est parti, let's go. Ok les amis, c'est parti. Par contre, je vais juste baisser le son parce que j'ai oublié que le son, à quel point il était tellement... Ok, bon bref. Donc c'est parti, nous on va juste récupérer le tournevis qui est juste là. Loupic. Et on fait ça. Allez c'est parti, let's go. En tout cas, j'espère que ce retour de vidéo sur Granny 3 va vous plaire, surtout pour le deuxième épisode. J'espère qu'on va pas trop mourir deux fois pour bien... Ok. Pour bien avancer sur le jeu quand même. Parce que c'est vrai que pendant une heure, on s'est quand même fait pas mal... Pas mal défoncer la gueule hein, par Sandrina ou par... Alors ça, il faut toujours le faire. Apparemment, parce que si on est poursuivi par Grandpa ou Granny, ça peut nous servir. Comme ça, on peut se cacher directement. Donc je vais... Oh, j'ai oublié qu'il y avait un putain de squelette ici. Salut, toi. Je regarde s'il n'y a pas une clé ou tout à l'heure. Non, il n'y a rien. Ok. Bon, bah tant pis. Bon, c'est parti, les amis. Let's go. On perd pas de temps. Let's go. Ça fait penser à un film d'horreur, mais je sais pas c'est quel film. Dites-moi dans les commentaires si... Parce que l'ambiance du jeu, elle me dit quelque chose. Comme quoi, t'es enfermé dans une cave, il faut que tu sors par la porte principale. J'arrive. Ah ouais, non, il faut que je fasse ça. J'ai complètement oublié. Ah, ça faut dire, ça fait 3 semaines que j'ai pas fait de vidéo. Donc, y compris sur Granny. Alors... Oh putain. Oh putain. Ça c'était Granny. Ça c'était pas bon. Je me casse. Easy cash. J'ai oublié à quel point le jeu était stressant. J'ai oublié l'ambiance du jeu comment. Non, tu me vois pas du tout. Là je suis caché, donc ta mère la chauve. J'ai oublié à quel point la musique elle était stressante aussi. Oh non, mais dis pas qu'elle a mis un piège dans les escaliers. Cette pute. Non. Elle aurait pas fait ça. Wow. Les gars, vous faites peur. Bonjour. Comment ça va? Snap me fait peur. Ça... Non, elle a carrément mis un piège dans les escaliers où je ne peux pas. Le pire c'est que dans le jeu je peux pas courir donc c'est encore plus flippant en fait. C'est quoi ça? Ah, une pierre. Vas-y. On dirait une boule de... On dirait une boule de cristal frère. Je te jure c'est incroyable. Ok. Par contre le son wesh il varie entre deux. Je regarde si... Ah, il y a des pierres en fait à récupérer pour les distraire. Ah c'est bien ça. On peut récupérer jusqu'à combien de pierres? Ah, au moins 3 je crois. Sa mère. Je vais mourir. Oh putain. Oh y'a un... Oh y'a un Teddy. Quoi, j'ai fait quoi? Faut courir? Oh putain. Je sais pas où je dois le mettre, mais je dois courir. Parce qu'on m'a dit dans le commentaire que je dois mettre Teddy dans un endroit. Peut-être là. Ouais, je le pose là. Oh putain. Dans la merde. Ah ouais mais il y avait Granny Grandpa de l'autre côté là. Je fais quoi maintenant moi? Ok donc prendre le doudou c'est un... C'est ok. Bon en tout cas j'ai compris maintenant. Quand tu prends le doudou t'es dans la merde. Ça j'avais largement compris. Ok. En fait je sais pas comment faire pour... En fait il y a un abonné qui m'a dit dans les commentaires de la dernière vidéo. Enfin de la première vidéo sur Granny. M'a dit qu'il fallait que je mette le teddy bear. Je ne sais pas vous.
Je ne sais pas où. Merde. Il m'a dit de mettre dans un truc pour ne plus avoir Slendrina. Et ça serait bien, mais par contre, je sais même pas où mettre le doudou, en fait. Je suis encore dans la merde. On va essayer de trouver une solution. Et d'aller au moins au premier étage. Donc, ok, tout le monde est là. Personne n'est ici. Toi. Alors, est-ce que... Où... Ah putain, ça peut être en haut, en fait. En fait, je t'ai dit, je crois qu'il faut le mettre dans le berceau, en fait. Parce que dans le dernier épisode, on avait été en haut, tout en haut. Il y avait eu un passage qu'on pouvait pas passer parce qu'il y avait des branches, il manquait du plafond. Et ouais, je m'en souviens. Donc en fait, je crois que le Teddy, on doit le mettre dans le berceau. Là, on avait été, et tout en haut. Ça veut dire que déjà, de 1, il faut récupérer le fusil à pompe. De 2, trouver des balles pour tuer Green et Grandpa pour, entre guillemets, être safe pendant au moins 2 minutes. Et de mettre le Teddy dans le berceau. C'est vrai qu'on l'avait pas trouvé le Teddy dans l'épisode 1. Mais là, on va essayer c'est de aller en haut discretos. Je crois que le PJ a été enlevé. Je vais pas aller directement là en haut. Sandrine, ta gueule. Ça m'a fait peur. Okay, est-ce que je peux aller là? Est-ce que c'est pas fermé? Amendement. Grandpa. Si je me cours pas, il doit se faire ici. Donc j'aimerais bien ça récupérer le fusil à pompe. Et aussi trouver des nouvelles choses. Hein, parce que la dernière fois on avait trouvé genre une planche en bois et des allumettes, je crois, des matchs. Je sais pas ce que ça a fait. Ça a allumé une cheminée dans cet étage. Mais je sais pas trop ce que ça a eu comme utilité. Ok, je vais essayer de monter en haut. J'espère qu'il est pas en haut. J'espère qu'il est pas en haut, cet enculé. Qui quoi où? Où qui quoi? Où qui quoi? Non, monte ta mère. Ok. Monte en haut. Ok. Donc là. Donc en plus c'est green. Donc là il y a un objet, je l'ai vu. Donc là, vous voyez, là, c'est du firewood. C'est du bois de cheminée. Ok. Est-ce que si on saute, là, on meurt? Apparemment. Ok, apparemment, c'est Granny qui était tout en haut. Oh, il y a un corbeau, là, carrément. Wow. Ah oui, c'est vrai qu'il y a... Voilà, Teddy, il est là. À un moment, le berceau, on l'avait vu ici, je crois. Ok. Et là, il y a un corbeau. Aïe. Oh, c'est un fil. Donc là, il faut des trucs là pour l'oiseau, pour qu'il bouffe. Sérieusement? Je suis tombé comme une merde là, je suis mort. Ok, donc déjà j'ai eu un bug, donc du coup j'ai recommencé le jeu. Donc là en fait, notre objectif dans cette vidéo, c'est de mettre le Teddy Bear dans le perso. Quand c'est pas un abonné, bon, ça va être compliqué parce qu'il faut déjà que je trouve le fusil à pompe et tuer les deux autres avant de pouvoir marcher tranquillement dans la maison des psychopathes. Ah, on a une planche ici, d'accord. Ok, donc en plus les objets sont... aléatoire, donc là du coup ça va encore changer. Le Teddy Bear est juste là. C'est pas si mal finalement. Parlant de Teddy Bear, je crois qu'on va beaucoup parler de Teddy Bear aujourd'hui dans cette vidéo, hein. Surtout sur Green 3. Ok, donc là en fait si tu prends le Teddy, t'es dans la merde. T'as une musique qui change, donc en fait faut pas le prendre. Il faut le prendre seulement quand Green et Grandpa sont vraiment out en fait. Et pour ça, il faut le fusil à pompe. Non! Comment il m'a eu? Comment il m'a fait? J'aurais dû fermer la porte, putain. C'était donc ça? C'était fermé? Mais putain, mais c'est pas possible!
J'ai à peine eu le temps de rentrer dans le... Putain. C'est pas possible. Oh, on est passé directement au jour 2, hein. C'est très rapide, hein. Oh, putain, c'est pas possible. J'ai la poisse, vraiment. En plus, on avait la planche. On avait le teddy bear. Putain. Je crois que c'est le teddy bear qui nous rend la malchance, hein. On l'a pas eu dans l'épisode 1, et par contre, on va beaucoup l'avoir dans l'épisode 2. Non, mais sérieusement. C'est quoi ce délire? Le problème, c'est que là, j'ai une chance sur 14. De me faire... Je peux me cacher là. Là, comment était Emma? Miemo Sullivan. I Last Door for Darkness. Ou Dark Wolf, du coup. C'est mon nouveau nom... Oula. C'est mon nouveau nom de chaîne sur YouTube. J'ai ôté tellement... Cours ta grand-mère. Tu peux te poser question, tu cours sa mère. Ok. Prends une pierre. Est-ce que tu peux les lancer? Par contre, mon perso, il court pas du tout. Hein. J'aurais dû rajouter une option courir. Mais là, il doit... Oh! C'est pas la même musique, hein, de Sandrine là. Oula. Et... Faut une shit qui... Ok, faut déjà... Ok, là je suis dans la merde. Ok. Oh, le jeu, j'ai oublié à quel point il était stressant, putain. Maintenant, je vais essayer d'aller tout droit en haut. Sauf que l'autre, elle est là, cette salope. Allez, mais où sa mère? Ok, non, il n'y a rien. Et le truc est stressant quand même. Le jeu est stressant. Je peux même pas aller en haut parce que sinon je me casse la gueule. Je peux. Mais en fait, je dois. En fait. Non, j'aime pas jouer à cache-cache, non. En fait, je comprends pas leur attention en fait. À grigner un grand pas. Oh oui. La porte, ok. Donc là, il va arriver. Je sais pas qui c'est qui va arriver, mais ça va arriver. Ok. Ils ont quand même remodelé le personnage de Granny. Hein. On va passer la tête, mais. J'aurais peut-être pas dû faire ça, je suis con en fait. Ok. Là où aller. Le problème, c'est que là, on est qu'au jour 2. On va se faire niquer, ça c'est sûr. Il n'y a pas une trappe. Putain, mais les casiers, ils sont gravement grandis. C'est... Waouh. C'est un truc de ouf. Ok. Là, j'ai pas le choix, c'est de faire une diversion. Baiser de toute façon. Putain, je suis dans la merde. Je suis au jour 3, j'ai encore rien vu. J'ai même pas vu de pièce, de clé. Putain, je suis dans la merde. Y'a pas de truc ici, là, à part une planche ici. Oh, mon cœur. Oh la vache. Mon cœur, il a arrêté de battre pendant 2 secondes là. Starfall là. Si vous avez un nom à le donner au squelette, n'hésitez pas. Pourquoi je peux pas me cacher ici? Tu vois, quand ils vont en bas dans la cave, ils auraient dû mettre une option se cacher ici, tu vois.
tellement la place pour se cacher. Ok. C'est compliqué quand même de se barrer d'ici alors que c'est pas piqué des hannetons pour se barrer. Par contre, c'est quand même cheaté. Oh putain. Je sais pas c'est qui me suit, mais je suis pas dans la merde. Non! Comment il a su, putain? Comment il a su, cet enculé? Non, mais sérieux. En fait, il faut que je mette en mode facile, hein. Comme dans Ganida, parce que sinon j'y arriverai jamais. Je suis au jour 4 là, je crois. Et je suis en fait, je suis en mode normal. Je voulais faire comme. Tu vois? Mais en fait, le mode normal il est trop compliqué en fait. J'ai pas encore le niveau. En plus, je reviens un peu d'une pause YouTube là, tu vois, avec les vacances. Donc c'est un peu compliqué de. Wesh. Attends, mais c'est pas possible de le faire en mode normal directement quoi. Tu dois vraiment être un pro et tu dois jouer H24. Je vais essayer de te retirer d'ici et de passer de côté. Cours. Le problème c'est qu'il n'y a pas l'option courir, donc ça te vénère en fait quand tu meurs. Tu vois. Il n'y a pas l'option courir. Ok. Mais je me demande à quoi sert les pierres. Genre faire une diversion, ouais, mais comment? Ok. Donc maintenant on sait qu'il y a un crocodile. Ok, donc pour moi en récupérer 4 au moins. Ok, après t'as combien de chances de tomber sur le grand pot quand il vient ici quoi. Ah, j'ai mal au bras, au poignet plutôt, merde. J'ai la haine, hein. Ça se voit? Oui. Et quoi, 4 mois, j'ai la haine, hein. Je vous ai dit à combien de pourcentage je peux me taper grand pas. Bah voilà. La réponse est évidente. Non, mais c'est pas possible. Quelle est la probabilité pour que je me tape les deux en même temps, quoi? Vas-y, j'ai la haine. Cassez-vous avec ces pièges, là. C'est pas possible! Non, mais c'est le karma, quoi. C'est l'épisode du karma, quoi. C'est pas possible. Et ils voulaient vraiment faire leur retour, hein, les gens. On va essayer de cheater. Ah, quoique là, on peut récupérer le fusil à pompe. Si on est assez discret, on peut récupérer. Est-ce qu'on va récupérer le fusil à pompe? Je suis pas sûr que dans le mode facile il y a les craquements. Parce qu'à mon avis dans le mode facile il t'a pas avoir le mode craquement. Il doit juste avoir des trucs qui peuvent nous éviter ça. Ah oh, putain, j'aurais dû mettre le mode facile avant. On aurait moins galéré comme des cons. Non, y a rien. Chier. En fait j'ai pas le choix, je dois monter. Ah! Oh non! Bah ouais, voilà. Je suis mort à cause de Slendrina et du piège de Grigny. Non mais la totale, hein.
Putain, mais je suis vraiment mort comme des pieds, quoi, sérieux. Non, les gens, c'est vraiment compliqué, hein, en mode normal, c'est comme ça, là, c'est compliqué, hein, je vous le dis. Non, mais attends, je viens de retourner sur YouTube, là, c'est bon. C'est vraiment la hesse, quoi. Le problème, c'est que là, il faut mettre en mode facile, parce que sinon, on n'avancera pas. Et on sera à chaque fois paumé. Ah! Putain, les salopes. Oh, c'est horrible. Oh, c'est horrible. Ah, ça y est, encore. J'ai la haine. Ok, donc j'avais raison. En mode facile, là. Donc là, on est en mode facile, du coup. On a régressé le niveau. En mode facile, il n'y a pas de craquement. Et ça, c'est ça qui est bien. Qui va nous permettre d'avancer encore plus. Par contre, si on veut prendre le comment ça s'appelle? L'élévateur pour... comment dire? Pour monter en haut. Et on a besoin d'électricité. Donc ça veut dire qu'il faut faire un truc. Donc là, à mon avis, il n'y a plus rien, il n'y a plus le teddy bear. On a régressé le niveau, donc il y a moins en moins de trucs qui sont parmi nous. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va nous intéresser ici? Pas de planche, rien, codal, non. Ok. Donc maintenant, ce qui est bien, c'est que Granny Grandpa, il bouge doucement. Donc là, on est... Donc là, j'attends. Ok, donc là il prend les escaliers. J'ai oublié à quel point le jeu était stressant. Ça va, Grégory, ça va, toi, bien. Donc ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de craquement. Donc là, on peut aller discretos. C'était sûr, putain. Je sais pas pourquoi. Je m'attendais trop, en fait. On a régressé le niveau, mais j'arrive pas à sortir d'ici, c'est ça le problème. Toi, le problème, c'est de sortir de cette merde. Pourtant, il bouge normalement, il bouge moins. C'est moi qui bouge plus. Je gère tous les allers-retours qu'on doit faire quand même. Heureusement qu'il fermait la porte quand j'étais mort.
Heureusement que j'ai l'instinct de survie de fermer la porte, putain. I pop you, quoi. Par contre, j'ai pas compris. Tu peux parler en anglais, en français, s'il te plaît. Putain, fais qu'il y a personne en haut, s'il te plaît. Putain, elle a mis des pièges, cette salope. Pas qu'un peu, beaucoup même. C'est risqué ce qu'on fait là, non? Ok, ça j'ai passé. Tout est fermé. Ouais, tout est fermé. Ok, oh là là, maman, c'est bon. Oh la vache. Tout ce qu'on ferait pas quand même pour... Quand même. Non. Quoi? Casse-toi. Fond bas. Je crois qu'il nous a vu. J'ai pas d'eau. Mais il nous a vu là. Ok, bon. C'est personne qui, non, qui me regarde. Pourquoi je fouille l'endroit? Yes, c'est grand pas. Hippie-ting. Eh, ah, le bâtard. Oh non, il est intelligent. Non. Ah, il m'a baisé. Ah, l'enculé. Putain, j'ai les nerfs. Ah, j'ai du mal à reprendre Grignel, hein. Faut vous mentir, là. Ça fait quasi 30 minutes qu'on est en train de galérer comme des cons là. C'est compliqué. C'est compliqué à gérer le stress, la pression, l'aléatoire des... Ouais, ta gueule. Ok, donc Teddy il est là. Putain, mais... Je vous l'avais dit qu'on allait avoir beaucoup Teddy. Qu'on allait voir beaucoup Teddy plutôt. Là, ça fait trois trucs qu'on fait. Trois fois qu'on... Le problème, c'est qu'il faut que j'ai... En fait, si je prends le nounours, là, le teddy bear, le problème, c'est qu'après, je suis dans la merde. Si je dois tout faire le truc pour remonter en haut et le poser dans le berceau. Et le problème, c'est que Granny, elle est énervée. Quand je prends, parce que c'est le cœur de sa fille, en fait. En fait, Teddy Bear, c'est le cœur de la fille, en fait. Et oui, c'est grâce à ça qu'on la voit. Qu'on voit ce genre d'hallucination. Putain, j'ai bugué. Ok, donc là, en fait, il faut que je fasse un truc incroyable. Un move digne d'Arlé Randowski. Le problème, c'est qu'il est pas là. En fait, il faut survivre. Le problème, c'est qu'il faut survivre. Ok, je savais pas qu'on pouvait se cacher ici, mais d'accord, pourquoi pas. J'espère qu'il y a quelqu'un là. Ah, oh putain. Ouh. Mais salope,
Ça fait trop fort que tu me fais le coup là. Laissez-moi respirer, putain. Oh la salope. En plus, c'est qu'on voit son gros plan, quoi. Avec la musique strident, là. Je sais pas, c'est quoi qui fait le plus peur entre la musique et... Y'a pas un truc, là, dans le cheminée. C'est que je suis dans la merde là. J'ai. Oh, c'est du corbeau. Oh, c'est une clé. Ah ouais. Ok. Oh putain. En vrai, ils disent qu'il y a plusieurs solutions de s'échapper. Mais s'échapper comment? Genre, on peut s'échapper juste par une sortie en fait. Ok, au moins le corbeau. C'est le seul qui est bien. Après, j'ai pas vu d'araignée, moi, en fait. Vraiment, dans Grim 3, il y a soit une araignée, soit le petit monstre, là, le petit animal de compagnie, ne gagne grande pas, là, mais... Vu que ça a changé, je ne sais pas c'est quoi leur animal. À part à Sandrine, à leur fils, tout. Le problème, c'est que j'ai pas le choix, je dois descendre, parce que descendre... Ouais. C'est la merde, donc il y a personne. Grim m'a vu. Le problème, c'est qu'il faut que j'aille en bas pour récupérer le fusil à pompe et tous les buter. À part. Est-ce que ça va être compliqué? Oui. Regardez combien on a mis de temps juste pour récupérer le fusil à pompe et tuer tout le monde. C'est aberrant. Mais bon, en vrai, je vais galérer comme un beauf pour récupérer un putain de fusil à pompe. Moi, c'est qui m'aime, c'est qu'il n'y a pas de craquement. Tu vois? Donc là, on est bien. En fait, il faut savoir, c'est toutes les cachettes du jeu. Il est là. Putain, il est pas là. Ça aurait été bien s'il aurait été là. Ok, donc là, il n'y a jamais rien. Je devrais au cas où. Ils ont fait Bloody Mary ou comment ça se passe là pour que le miroir se casse? Ok, donc là personne. C'est que je vais devoir redescendre. Quoique. Peut-être vérifier avant ce qui se passe. Ouais, voilà. Ok. Là, en fait, je pense. Il est où déjà le teddy bear là? Je sais plus. Oh non, mais j'assure pas là. J'aurais tenté. Ok. À mon avis, tous les trucs sont en bas. Ok, j'ai peut-être une idée. Faut que je me gourde en gros, sinon je vais dans la merde. Non!
suis bloqué. Oh, le move de malade. Dépêche avant que il arrive l'autre. Putain, mais y'a jamais rien ici. Ah ! Faire un de ces bruits, c'est horrible. J'ai qu'une seule solution, c'est de les mettre là en fait. Ok. Putain, mais en vrai, s'il y a grande poche dans la merde, parce que lui il a fusé à pompe. Faut juste qu'il dorme en fait. Tu vois. Genre, oh, j'ai loupé le jumpscare. Oh, je sais pas où aller là. Ok. Est-ce qu'il va venir? Est-ce qu'il va monter? Oui, monter. Ok. On va est-ce qu'il va dormir? C'est la question. Parce que s'il dort, ça va m'avantager en fait. Le problème, c'est que je ne sais jamais quand il dort. J'ai pas de signe en fait. En fait, je dois viser toute la maison. Ah, c'est chiant. Tellement peu crédible quand je crie. Mais en même temps, elle est qu'est-ce que fois cette pute aussi là, Sandrina. Ouh, je vais faire une crise cardiaque à force. Hein. C'est pas des lol. En fait, à chaque fois je fais ça, mais ça sert à quoi en fait l'utilité de mettre une bûche et. Mais c'est compliqué de trouver les objets, wesh. Attends, je sais même pas où ils sont. La planche. Il faut que je récupère la planche. Non, je sais à quoi sert la planche. Ça va me servir à traverser le truc. Il faut juste trouver la planche en fait. Le problème c'est que la planche, où est la planche? Go, c'est maman. Putain. Putain la merde. Comment il a su? Oh mais vas-y. Enculé. Il a anticipé mon move. J'ai la haine. J'ai la haine. J'ai marre de faire la même chose à chaque fois. Le problème c'est qu'il n'y a pas d'objet qu'on puisse directement. C'est pas comme dans Granny 1 ou Granny 2 qu'on arrivait à se sortir là. C'est vraiment la S en fait. Il faut récupérer les allumettes là où je suis mort. Qui va pas être compliqué. Normalement. C'est trop compliqué. Putain. Je lag. Ça m'a... Ok, donc tu t'es dit là. Je crois que je vais récupérer un objet. Mais c'est vrai qu'il y a ça aussi. Non, mais il y a ça pour se cacher. La planche. Là, j'ai beaucoup m'aider, je crois. C'est mal ce que je fais, je vous le dis.
vous le sentez de toute façon. Vous sentez le, l'incompréhension du truc, ma réaction. Je la sentais pas non plus. Hein. En vrai, je me dis, à quoi ça sert d'ouvrir les tiroirs alors qu'il n'y a rien dedans? Est-ce qu'il y a quelque chose là au moins? Non, il n'y a rien. La pâte de qui? Ouais, mais elle sert à quoi cette pâte de qui? Et où trouver des clés, putain, dans ce jeu? C'est impossible. En fait, la planche, elle peut nous servir juste qu'à récupérer les trucs qu'on a dedans, en fait. Le problème, c'est qu'il faut déjà aller en haut sans se faire tuer ou sans se faire prendre. Ou sans même se faire surprendre. Voilà. Lol. Il est chiant, Grandpa, il est casse-couille, je te jure. À la rigueur, si je jouerais avec Green, ça passerait. Il était plus en lumière, ça fait. Salut. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Ok. Je sais pas du tout si j'ai pris le bon endroit. J'avais hésité entre 1 et 2, donc du coup Granny m'a stressé et il m'a fait prendre ce chemin là. Sinon je suis dans la merde. C'est qu'on peut pas regarder là, c'est dommage parce que. Que vous allez. Alors, je peux pas le. Putain, les amis, ça y est. On a découvert un autre endroit. Ok, je crois que je sais à quoi ça va servir, ça. Ta mère la chouve. Ah, le coup, il va servir. J'aurais dû prendre les cailloux. Okay. Je vais prendre le body conk. 5 jours, ok. Je suis tellement concentré là que j'ai pas envie de me faire tuer bêtement. Bon, au moins on a posé la planche. Moi j'ai juste peur, c'est que. J'ai pas le choix de redescendre. J'ai pas trop le choix en vrai. Essayer de courir. Dépêche-toi, s'il te plaît, dépêche-toi. Ok. Ok, donc les matchs, ils sont là où à l'endroit où je veux, et là, ça nous permet de débloquer beaucoup de choses. Le problème, c'est de ne pas se faire niquer. Hop. Oh, mes frères.
Ah, je suis caché. Ok, j'ai eu peur, je crois que j'étais pas caché du tout en fait. Ouais, j'ai eu peur. Là, j'ai vu la. J'ai vu ma vie défiler devant mes yeux. Y'a pas un puits. Un putain de puits, y'a pas un puits. Ok, donc si j'en avais besoin. Ok, tu prends des. Ouais. Y'a pas un putain de. J'aurai à mettre. À mettre là, non? Pas un truc, non. J'essaie de voir où je peux le mettre parce que pour l'instant j'ai pas d'idée du tout. Peut-être là, ici. J'ai pas d'endroit de mettre, c'est chiant. Problème, c'est que j'ai besoin de. J'ai vraiment besoin d'un. C'est dangereux ce que je suis venu, ne faites pas ça chez vous, c'est où je vais à Granny 3. Ok. Je vais essayer de voir ce que je peux faire avec ça. Je les gagne pas. C'est trop bien de se débasser comme ça, par conduit. Ok. C'est exactement là où je devais aller. Est-ce que... Putain, les objets en vrai sont tous là. Putain. Ouais, il n'y a pas trop de solutions. Hein. Putain, on a le truc, mais je sais pas où le mettre. J'ai un bug qui est mis un truc ici. Putain, je vais mourir. Je suis bloqué en fait. Est-ce que ça, on peut le mettre où ça? Je suis en train de réfléchir à où le mettre. En vrai, j'ai pas trop de solutions. Je vois que je sais pas ce que je fais, hein. Je tremble, je sais pas quoi faire. Je
Là je suis bloqué hein. Je suis bloqué dans le jeu, je sais pas quoi faire. Ah ouais, j'ai juste ses limites. Merde, le con. Parce que là on... Ouais. Est-ce qu'il faut brûler? Je vais garder là. Je sais jamais. Ça peut servir. J'ai besoin de quoi pour récupérer les objets en haut, en vrai. Heureusement que je suis pas descendu, sinon je suis dans la merde. Ok, maintenant. Faut que je descende. J'ai pas le choix en vrai. Ok. Putain de... Il y a un livre ici. Aurait-il pas un truc secret? Des joues là. Ouais. Oh, c'est des joues là. J'ai failli me faire tuer là. J'ai failli. Là, j'ai serré mes fesses là. Ah, mais là, c'est. Ah, wesh. T'es pas fait. Faut que je tombe. Faut que je tombe. Y a rien là en fait. Je suis bloqué en fait dans le jeu là. Je sais pas quoi faire. Là il y a pas une bonne chocolat, il faut tout ouvrir là. Putain de merde mec. Est-ce que vous avez vu une sorte de... Je sais pas quoi dire. Bah, je suis dans la merde, là, non? T'as pas une idée où je peux mettre les objets, là? Elle peut pas venir, en vrai. Donc, en vrai... Faut que Granny pas soit ici pour que je me casse en bas, en fait. Donc, on va attendre, hein? Ça va, Granny? Sinon, ça va tranquille, ta vie? C'est pour le temps qu'on s'est pas vu tranquillement au calme PLL sans qu'on soit, tu vois... à se poursuivre, avoir des courses poursuites et tout, tu vois. Ça fait bien parfois de parler, tu vois. Ça peut servir dans la vie. Ça peut, ouais, nous coûter un peu la vie aussi avec ce que je viens de faire, là. Mais rassure-moi, tu vas pas mourir si je fais ça. Comment ? Yes, meilleure erreur. Meilleure erreur de l'ever. Je fais comment là? Je vais essayer de faire un truc. Ok. Oh oh. Je suis bloqué. Je suis bloqué, putain. J'ai la haine. Je fais quoi? Ouais, ils sont énervés. Là. Donc Granny s'énerve quand je récupère le cœur de Sophie.
suis dans la merde. Je suis dans la merde. Bon, le doudou, ça va être next, hein. J'ai peur de ce qui va m'arriver là. Le toutou il l'a pris, je crois. Je crois que le doudou elle l'a pris. Putain la merde. Merde, parce que le doudou l'a pris. J'ai deux pierres. Ok, Greggy. C'est comme tu veux, hein. En bas, il n'y a pas un puits. En bas. Il n'y a pas un puits, genre. J'ai mis attention à l'esprit, il y a un puits. Ah oh putain. En vrai, je suis bloqué là. Fuck. J'ai la merde. J'ai la merde. Là, je lutte pour survivre, les gens. Pour faire encore durer la vidéo. Oh putain, je suis dans la merde. Même pas, il est là, je suis dans la merde. Bien, je suis dans la merde. Je suis en PLS octogonisé. Hello. Ok, c'est bonne partie. C'est insupportable. Alors les trois comme ça d'un coup là, c'est une masterclass digne de Steven Spielberg. C'est moi qui vous le dis, ben, je fais quoi? Je suis pas bien en fait. Elle a rangé le doudou. En fait, je crois que j'ai brûlé le berceau, en fait. Je suis pas sûr de ce que je dois faire, mais... Je dois brûler le loulou, à mon avis. Eh, super. Yes. Y'a pas un truc qui pourrait m'aider, là? Genre là, j'ai oublié qu'on pouvait faire ça. Qu'il y avait un putain de truc caché. Comment tu vas, Granny? J'espère que tu vas bien. J'espère que t'as bien mangé, sa mère. J'espère que vous avez fait une bonne. Un bon petit show de Bruxelles, hein, ici. Ah ouais, ouais, c'est un show de Bruxelles. Hein. Je sais même pas comment j'ai fait. J'ai failli me faire avoir. Ok, maintenant cours, ta mère. Je sais pas comment te le dire autrement, mais pas un truc qui permet de... Je suis sûr qu'il y a un truc qui... Enfin, faut pas que je tombe, hein. Ah, il y a pas de levier ou tout du genre, là. Pourquoi il y a des trous? Où trouver les clés, c'est ça? Où trouver les clés? Est-ce que les clés sont cachées? Est-ce que les clés sont cachées dans des tiroirs? Les pierres, on sait même pas comment les utiliser. Ça nous dit rien. Oh, la belle lune, j'ai oublié qu'il y avait une belle lune là. Oh, je suis dans la merde. On peut en prendre 4? I can't monsters. Apparemment, non. Ok, donc je peux rien prendre. Oh, putain de salope. Putain, la merde, je sais pas quoi faire.
Je vous jure, les gens, c'est la première fois qu'un Granny me perturbe. Je sais pas quoi faire du coup. Parce qu'avant, il devait avoir une sorte de. Faut juste pas qu'ils prennent la porte principale là. En fait, je sais pas quoi faire là. J'hésite, ça fait genre 20 minutes que j'essaie de faire un truc stylé là, mais. Y'a rien dans les tiroirs. C'est vraiment stressant. Je sais pas c'est quoi le truc là. Voilà. Je sais même pas quoi ça sert ça. It doesn't work. Infuse. Le problème c'est que c'est même. Putain de sa mère. Je sais même pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il n'y a pas l'air d'avoir quelqu'un. Alors en vrai, je sais pas quoi faire là. Je suis paumé. Il y a rien. Il y a un truc, je sais même pas où le mettre. Attends, il faut réfléchir un peu. Où je pourrais mettre un truc? Là-bas ou là? Après, je vais essayer un truc. Un truc ici, là, non. Ah non, 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 non. Okay. Et 1h03 quand même. En fait, je sais pas quoi faire là. Ah, mais c'est qu'en fait, j'ai envie de récupérer plus d'appropriés. Mais j'attends que lui il dort. Parce que sinon je peux pas récupérer le cerveau. Je suis bloqué là. En fait, faut que vous m'envoyez toutes vos astuces pour bien que je réussisse ce Granny. Parce que là, je suis dans la merde. Ça fait 2 épisodes que je fais rien, quasi. À part mettre du bois et allumer un feu. C'est tout ce que je peux faire. Hein. Je vais vous mentir. C'est tout ce que j'ai dans le moment. Parce que là, je suis dans la merde. Hein. Je sais pas quoi faire. J'essaie de. Peut-être que là. S'il y a une clé parmi d'autres dans les tiroirs, ce serait bien aussi. Ça pourrait grave m'aider. Il n'y a rien. Donc en vrai, je suis pas trop dans la merde. J'ai vérifié tout. Il n'y a pas de truc mystère ici, non. Bon, je n'ai pas rien à foutre là, franchement, là, j'ai envie de te dire. Est-ce que c'est là qu'il dort ou je sais plus. Elle est chiante, Granny. Elle est vraiment chiante. Non, mais il n'y a pas de puits en fait dehors, c'est ça le problème. Où je pourrais mettre un truc? J'ai pas d'idée là pour mettre un truc. Merci la porte, ça fait plaisir. T'as un bon moyen de protection pour une fois. En fait, je suis paumé, je sais pas quoi faire là. Je suis dans la merde.
Vraiment, les amis, je sais pas quoi faire là. J'ai pas d'idée de ce que je dois faire avec le truc là. Le bridge crack. Qu'est-ce que je dois faire avec cette merde? En plus, le pire, c'est que c'est la première fois que j'ai eu. Putain, je suis mort. On peut utiliser là, toi, ça. Et juste pour être safe quelques instants. Non. Voilà, non. Barrel full of water. Un barrel of full. Ok, ok, donc on a besoin de ça, à mon avis. Non, si on a besoin de ça. Et est-ce que, par hasard, à ton avis, est-ce qu'il n'y aurait pas un genre une mécanique à faire? Je ne sais pas à quoi il peut servir. Pas quoi il peut servir. Putain, elle est chiante, elle. Comme je sais que c'est pour utiliser un plus, hein. Mais j'ai pas trop d'autres idées là à part monter et voir ce qui se passe. Monte. Ok, juste attends. Ok, donc il n'y a rien à faire dans la cuisine. Je sais pas quoi faire. Ah merde. Est-ce qu'il n'y aurait pas un truc? En vrai, j'ai pas d'idée, hein. Je sais pas où mettre ça, ça. En vrai, j'ai pas d'idée, les amis. Hein. Là, je sèche. Là, pour faux dans un jeu, je sèche. Je sais pas quoi faire avec cet objet. Bon, là, y a rien. Faut rien faire. Regarde, c'est pas des pièces secrètes. Mais c'est sûr qu'on peut utiliser un livre. C'est sûr, en fait. Je suis dans la main, là. Genre un livre qui peut nous sauver. Comme dans Harry Potter. Non. Toujours rien. Putain. Je sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire, les amis. Ah, je sèche. Non, à mon avis, je crois que c'est... Il dort en bas, en fait. Putain. J'ai pas d'idée. J'ai pas d'idée où mettre cette merde, en fait. Putain, j'ai vraiment pas d'idée, les amis. Je sèche. J'ai un bouffe ça. En vrai, j'ai pas d'idée. Y'a rien ici. Pour rien à foutre.
Oh, je te jure, là, je suis en mode bélec, hein. Là, je te jure, j'essaie de comprendre où mettre le truc, là. En vrai, j'ai pas d'idée, hein. Un gros rassage, ouais. Salut. Ouais. On a le piège un peu à nier. Oh non. Non! Ah! M'a fait peur. J'ai fait le fusil à pompe. Et j'ai bugué. Oh non. Oh, c'est le cinquième? Oh, fais chier. Ah, les amis, je suis dans la merde. C'est le cinquième jour, là. J'avoue que c'était le dernier jour, tu vois. Mais en vrai, je suis dans la merde, là. Je suis vraiment dans la grosse merde. Je sais même pas où faire tomber le truc, là. Bon, là, je l'ai fait, du coup, je l'ai fait tomber. Donc, là, je suis un peu dans la merde. Mais en vrai, là, je sais pas quoi faire, les amis. Là, je vais me prendre à l'abattoir, là. En plus, c'était le seul moment où Granny... Putain, elle est petite. Putain, j'ai jamais eu petite, en fait. Est-ce qu'il n'y a pas un truc ici? Non, toujours pas. Bon, au cas où, on va le faire. Parce qu'on sait qu'on va mourir dans peu de temps, donc... Autre préparer les choses en temps et en heure. Ok. Et ferme tout le tiroir et tout. Ah ouais. Pas qu'ici, hein. Ah, c'est les graines de porc, ok. Y'a pas un objet caché? Un truc ou non? Ah là je suis paumé, hein. Parce que là la porte là, peut-être, attendez, je vais juste voir un truc. Si la porte là nous permet d'ouvrir le... Je sais pas si on voit en vrai. Il y a encore une autre porte derrière. Et une planche. Et non, une fenêtre. Ah. Ok, la porte est ouverte, je sais pas qui c'est qui l'a. Bonnie. Franchement, là, je suis paumé. Hein. J'essaie de voir s'il n'y a pas des trucs, mais. C'est compliqué. Voilà, j'ai essayé de courir, mais là, j'ai vraiment plus de solution, les amis. Là, là c'est la Hesse. J'ai essayé toutes les solutions. Ah, on va signer encore sur ça. Donc en fait, il n'y a que deux fins de mort en fait. Pas le choix, mon gars. Bon bah, la suite, la prochaine fois. En tout cas, j'ai aimé, j'espère que cette longue vidéo sur Granny Pro vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like de pause, moi. Je compte sur vous, comme d'habitude. Et dites-moi dans les commentaires des solutions pour pouvoir avancer dans le jeu et tout. Parce que là, franchement, je galère à mort. J'ai trouvé le truc de passerelle là, jaune. Là, je sais même pas où le mettre. Il n'y a même plus de puits maintenant dans le jeu. Il n'y a que un truc de décapitation et une porte qui pourrait avec une Nikki en ce genre. Ah, bref, c'est trop chelou, trop compliqué pour moi. J'attends vos retours, j'attends vos solutions pour gagner 3 pour avancer dans le jeu. J'espère que vous aurez des... astuces pour déjà me débarrasser de Slenderina. Comment la débarrasser avec le doudou. Si on peut le mettre dans le berceau en haut ou autre. Enfin, dites-moi toutes les solutions qui permettent d'avancer dans le jeu. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est pas un message de pouce bleu. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Activer la cloche et à partager un maximum. Ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. À la semaine prochaine pour la rentrée. C'est parti, les égaux. Sur ce, les gens, c'est ma cimère. Ciao.